tirage du dimanche 15 mars, donc. J'ai mon petit carnet avec moi. Et ça a été un peu extraordinaire ce tirage parce que j'ai tiré mes quatre cartes et il y en a une autre qui est venue se placer entre les deux premières. Donc je vais vous montrer et je vais vous dire ce que dit donc le petit livret en même temps. Donc la première, c'est celle-ci. C'est l'empereur. Voilà, alors l'empereur, il nous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, l'empereur, il nous signifie que le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle ou dans vos projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et abandonnée et ordonnée, pardon, lorsque vous passez à l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincu de votre capacité à devenir un leadership et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement, c'est-à-dire que avec l'empereur, vous avez la possibilité de faire vivre vos rêves. Vous avez la possibilité de changer votre façon de penser. Vous avez toutes les possibilités dont vous vous donnez la peine et que vous faites en sorte de les faire vivre. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau de quelque chose que vous avez mis en place pour votre bien-être, pour que vous soyez bien. C'est donc vous êtes dans le moment où vous pouvez organiser tout ça, car c'est maintenant que tout se joue. Maintenant. L'empereur est donc l'archange Michel. Cette carte peut signifier aussi, alors je ne sais pas si vous y reconnaîtrez ou pas, désir de réussite, stabilité, faire des choix judicieux, sécurité, agence gouvernementale, application des lois, respect des autres, paternité. Donc vous êtes le patriarche, vous êtes celui qui décide, vous êtes avec les guides, celui par qui beaucoup d'êtres vont pouvoir ouvrir les yeux, s'entraider et venir en fait, vous pourrez en fait aider beaucoup de personnes si vous vous en tenez à ce que vous avez décidé et si vous faites en sorte que cela aille dans cette direction. Voilà le premier. Le deuxième tirage qui est sorti, c'est celui-ci. Je vous montre le 3 d'eau. Voilà, c'est le 3 d'eau. La carte nous dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Le petit livre nous dit, l'heure est à la fête, des mariages, des annonces de grossesse, des naissances et de réunions sont à prévoir, des diplômes sont sur le point d'être obtenus, des promotions se profilent à l'horizon. Tâchez de vous amuser davantage, vous travaillez trop, apprenez à vous détendre, organisez une fête ou prenez des vacances.
Voilà, donc c'est le moment de, ils vous disent, c'est vraiment le moment de changer votre façon de faire, changer votre façon d'être. Faites des voyages, faites la fête, organisez, soyez en famille, que ce soit une famille biologique ou une famille spirituelle, soyez en famille, profitez de la vie dans votre famille, quelle qu'elle soit, et tout ira bien. Des bonnes choses se prononcent à l'horizon, arrivent, et profitez-en le plus possible, soyez dans la paix, dans l'amour, dans le bonheur. Voilà. Il y a entre-temps celle-ci qui s'est démontrée parmi les deux premières. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Elle a tellement voulu s'échapper qu'elle est tombée de terre. Elle voulait absolument qu'on la remarque. Et c'est le 2 de terre. Le 2 de terre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Et donc, le petit livre nous dit, deux personnes vivent en ce moment une relation étroite, une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation. Les difficultés ayant opposé les individus ou les groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Voilà, alors elle est tout à fait en relation avec les deux premières, qui vous disent, c'est bon, va de l'avant, profite de la vie, hein, et surtout, surtout, la relation étroite que vous avez avec votre famille, qu'elle soit, comme je vous disais, biologique ou spirituelle, ou tous les amis que vous avez. C'est vraiment le moment de faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Vous avez toutes les cartes en main, si je peux me permettre. Voilà. Donc la troisième, alors celle-ci est en rapport avec le passé, le passé récent et le présent de l'instant présent. Donc, elle est en relation avec ces deux-là. Donc, pour le futur proche, nous avons celle-ci qui est sortie et qui est le 2 d'eau. Elle nous dit quoi, celle-ci? Son petit message est une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Voilà. Donc, le petit livret lui complète en disant, deux personnes vivent en ce moment une relation étroite, une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment, une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité, les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation. Les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Alors, vous avez là cette carte qui vous dit qu'il est temps de mettre fin maintenant, pour le futur proche, à certaines de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, peu importe, des relations qui ne sont plus en relation, si je peux me permettre, excusez-moi pour ce double mot,
mais qui ne sont plus, qui ne vous font plus vibrer, qui ne sont plus en accord avec ce que vous êtes, avec ce que vous pensez, avec ce que vous êtes devenu. Il ne faut pas hésiter à faire le ménage, le tri, c'est le moment. Parce que ces gens-là, ce n'est pas qu'ils sont négatifs, hein, ils ont leur taux vibratoire qui n'est pas comme le vôtre, leur taux énergétique qui n'est pas comme le vôtre. Et donc, il est temps maintenant de gentiment, je t'envoie de l'amour, mais le moment est venu de mettre un fin à cette relation. Je vous dis qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe quoi. Il est temps de faire le tri, de faire le ménage. Remercier, pardonner et nettoyer. Voilà, à mon sens, le tirage de ces quatre cartes d'aujourd'hui. Si elles résonnent avec vous et si elles vous parlent, n'hésitez pas à les faire partager, de faire partager la vidéo. Et d'ici un nouveau tirage, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions, les décisions qui ont été, qui vous sont données, enfin les propositions, les conseils, je dirais, qui vous sont donnés à ce jour. Prenez-les, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, parce que comme c'est un tirage global, c'est pour tout le monde. Donc prenez ce qui vous intéresse et laissez ce qui ne vous parle pas aujourd'hui. Cela vous parlera sûrement à un autre moment. Voilà, d'ici un autre lapsus, une autre guidance, je vous souhaite un très agréable dimanche et à très bientôt.